Coucou les fanatiques du chinois des noirs. Encore très ravi de pouvoir partager ce petit moment avec vous. Il y a des fans qui disent pourquoi je fais l'art martial dans les maquis, dans les bois de nuit. Ouais, salut. Je veux vous signifier un truc. La promotion martiale, elle n'est pas interdite. Il n'y a pas un document qui montre où on doit faire l'art martial. Ça, ça fait un. De deux, il n'est pas interdit quelque part de pratiquer l'art martial partout où on veut, où il faut. Non. Il y a une seule question que je vais vous poser. Si tu es pratiquant des arts martiaux, quand tu te provoques dans une boîte de nuit, tu vas dire à la personne avec qui tu veux, qui t'a provoqué, allons-y au palais des sports pour se battre. Ou bien allons-y où ils ont mis tatami pour se battre. Non, vous allez vous battre là. Et quand vous vous battez là, c'est pour mettre le respect. C'est quand tu as la maîtrise que tu évites la bagarre. Ceux qui sont dans les boîtes de nuit, ils sont des hommes. Ceux qui sont dans les dojos, là, sont des hommes. Ceux qui sont dans les espaces où on fait karaté, ce sont des hommes. Mais tu penses qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait karaté qui va s'asseoir dans la boîte de nuit? Pardonnez. J'ai ma mission, c'est de promouvoir l'art martial partout où je serai, partout où je suis et partout où il aura un être vivant. Ici, je suis dans la brousse. Les bananiers, là, ils vivent, ils respirent. Je fais l'art martial là. Il y a des animaux, je fais l'art martial là. Donc, si je me retrouve dans les bois de nuit, dans les maquis, je le ferai également. Il n'y a pas d'endroit spécifique pour pratiquer l'art. Je suis désolé, mon frère. Donc, l'art martial se fait partout. Voilà. Quand il n'y a pas l'art dans le bois de nuit, mais dans le maquis, là, c'est coup de pied, on lance. C'est coup de poing, on lance. C'est bouteille, on lance. Et ce sont des exercices qu'on fait pendant qu'on pratique l'art martial dans la vraie connaissance. Et puis, encore pour terminer, je vous dirai que je suis artiste. La musique, là, elle se joue dans les funérailles, dans les anniversaires, dans les baptêmes. Également dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Donc, ce n'est pas parce que je suis pratiquant martial, que je porte une tenue martiale, qu'on va m'interdire de rentrer dans un espace culturel ou dans un espace d'amusement. Non, non, je suis désolé. Donc, l'art martial peut se pratiquer partout. Quand Arafat est venu, il faisait les roucascas dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Est-ce qu'on faisait ça avant? On ne faisait pas. Mais aujourd'hui, là, c'est pratiqué, non? C'est comme ça aussi que je viens avec la kato martiale. Le genre musical qui permet à tous ceux qui la dansent de pouvoir se défendre. Si je dois faire la publicité de cela, je vais me promener comme tous les artistes se promènent dans tous les espaces. Parce que Arafat et moi, on s'est croisés dans des boîtes de nuit, dans des cérémonies. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait la promo. Quand tu n'as pas les moyens pour te payer les droits qu'il faut, soit à la RTI, mais sur une chaîne de médias, là, tu fais ta promotion toi-même. C'est comme ça que je fais la promotion de mon style musical. Mais le style musical est accompagné de mon style d'entraînement, de mon style martial. Mon art là, regroupe en elle 15 ceintures noires. Vous comprenez? Donc quand tu es maître chez moi, là, tu as 15 ceintures noires. Pour parler en termes de ceinture noire. Sinon, chez nous, la ceinture noire n'est même pas considérée. Le maître, il a la ceinture blanche. Vous comprenez? Mais la valeur de cette ceinture est identique à 15 ceintures noires. Mais hormis ça, j'ai fait encore 5 autres disciplines pour compléter. Donc, vous pouvez comprendre en ceinture noire combien de ceintures j'ai. La valeur martiale que j'ai, je suis de 7e dan. Vous comprenez? La 7e dan, ça n'a pas été donné comme ça. C'est en fonction des preuves que j'ai prouvées, que j'ai montrées. C'est ce qui me donne valeur à la 7e dan. Mais vous pensez que ça s'achète? Non, 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 ça ne s'achète pas parce que je n'ai même pas de moyens. Ça se mérite. Non, c'est le fait de mériter là qui me donne la force et le courage de me rendre dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel maquis. Alors je vous montre tout simplement que ma philosophie, on peut danser avec les arts martiaux. C'est l'objectif. Quand tu danses avec l'art martial, tu fais le style de planche kato et tu peux en même temps te défendre. Quand tu zouk là, tu ne te défends pas. Quand tu danses zouglou là, tu ne te défends pas. Voilà, donc voici un peu. Quand tu fais le coupé décalé, tu ne te défends pas. Mais quand tu fais la kato martiale, tu peux te défendre. Donc tu peux en même temps danser sur un rythme musical et aussi apprendre des techniques pour pouvoir te défendre. Ça rend encore plus léger le style et les moyens de communication de l'entraînement. Voici un peu l'objectif final. Pousser tout le monde à se donner aux arts martiaux. Donc de grâce, laissez-moi prester où je veux. Laissez-moi tourner comme je veux. Hein. Arrêtez de me fatiguer. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que cela ne va pas me changer quoi que ce soit. J'ai une mission accomplie et je vais la faire jusqu'à ce que j'arrive au bout. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va m'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, de grâce, arrangez-vous pour pouvoir comprendre ce que vous dites.
Arrangez-vous pour accepter. Celui qui ne veut pas accepter, qui me laisse prester, je presse partout où je veux. On ne peut pas m'inviter dans une boîte de nuit puis rester. Lui qui est venu, lui, le réalisateur qui a fait le film L'Esprit Malin, là, c'est dans une boîte de nuit on s'est croisé. Dites-moi, s'il n'était pas parti presser dans la boîte de nuit, il n'est pas voir le talent qui était en moi pour me dire non, frère, moi je suis réalisateur, mais ce que tu fais là, tu peux faire un film. C'est là qu'il lui fait savoir que je n'ai pas les moyens pour faire film. Il dit, moi j'ai une caméra et puis je sais monter. J'ai un autre acteur aussi. Voici comment nous nous sommes retrouvés, puis nous avons fait le film que vous avez vu. Donc c'est une histoire de talentueux qui se sont réunis. Donc des grâces, pardonnez. Hein? Laissez le chinois de noir vivre sa vie tranquille. Voilà. Ceux qui m'aiment, ils vont m'aimer tel que je suis. Celui qui ne m'aime pas aussi, il n'est pas obligé de m'aimer. Mais je sais qu'à la longue, il va se rallier. Donc pour éviter, parce que tu es noir, je suis ton chinois. Tu es en Chine, tu es noir, je suis ton chinois. Tu es aux États-Unis, tu es noir, je suis ton chinois. Donc le mieux, là, c'est de s'associer pour que le chinois des noirs soit sollicité partout, soit aimé par vous. Voilà. Si vous vous aimez, si vous vous appréciez, si vous-même vous m'invitez, si vous-même vous me soutenez, ce que vous voyez, vous allez voir pire. Vous allez voir plus que ça. Vous allez voir mieux que ça. Parce que si les moyens sont là, les dispositions seront prises. Donc quelqu'un qui se débrouille, c'est à vous de l'aider. Ah! Non, arrêtez ça, je ne suis pas fin. Arrêtez ça. Je presse là. C'est parce que je presse dans les boîtes de nuit que les gens me connaissent aujourd'hui. Sinon, quand il restait dans mon dojo, il n'y a pas quelqu'un qui me connaissait. Voilà. Les fans, ce qui est sûr, c'est le chinois des noirs. Quand vous regardez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de commenter. Et c'est qu'il y a des gens qui sont prêts pour moi, il y a d'autres qui ne sont pas prêts. Mais tout le monde peut être prêt pour tout. Jésus, mais il est venu, mais maintenant qu'il ne l'aimait pas. Donc, sur ce, merci à vous.